Aujourd'hui, je teste une expérience unique, extrêmement difficile avant mon déménagement pour Paris. Rester enfermé pendant 24 heures dans mon dressing, sans oreiller, sans couverture, sans nourriture. J'ai faim, les gars. Avec pour seule compagnie, mon chien. Je suis déjà au bout de ma vie. Je vais être enfermée dans cette pièce pendant 24 heures. Elle est spacieuse. Ça aurait pu être pire. Mais bon, je pense qu'être enfermée entre 4 murs à rien faire, ça va être un peu compliqué. Sachant qu'on a enlevé les rideaux. Donc demain matin, le réveil, il va être fracassant. Mince, j'ai oublié le panier du chien. Attendez, je me dépêche. Au moins, toi, t'as ton panier. Ah, mais attendez, je peux prendre le lit au pire. Je sais pas. Oh là là, c'est galère. Pourquoi j'ai eu cette idée? Plus je ramène des trucs, plus la pièce se rétrécit. Je sais pas, je ramène le matelas ou pas? Dites-moi en commentaire si je dois le prendre ou si je me contente de ça. Je sais pas quoi faire. Non mais sérieux, je peux pas dormir dans ça. C'est trop petit. C'est beaucoup trop petit. Faut que je prenne le matelas. Comment je vais faire? Faut d'abord pousser ça, je pense. Je suis une déménageuse ou pas? Pause. C'est bon. Oh, pause. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. On va le mettre sur le côté comme ça. Et le matelas, on va le mettre comme ça. Ok les gars, vous savez quoi? Parce que je perds trop de temps là pour essayer de trouver un arrangement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer le challenge tout de suite. Donc, il est 13h19, on est le jeudi 24 septembre, début du calvaire. Bon, déjà les gars, pour m'occuper, je pense qu'il va falloir que j'installe un petit cocon parce que là, c'est pas possible. Le truc, il est comme ça. Ça y est, j'ai tout installé, j'ai mis ça là-bas, comme ça, ça fait genre un lit. Hop, hop, hop. Et là, il y a le petit siège pour s'asseoir. C'est bien, non? Je suis vraiment bête. J'ai oublié mes couvertures. Comment on va faire? Bon les gars, certainement vous vous demandez qu'est-ce que j'ai ramené comme trousse de secours. J'ai pris un énorme sac pour pas grand chose. J'ai pris un scotch. Pourquoi j'ai pris un scotch? On sait jamais hein. On peut toujours avoir besoin d'un scotch. J'ai pris des cerveaux de noix. J'aime trop ça, c'est trop bon. Avec des gâteaux. Et bien évidemment du démaquillant pour cette nuit. Je sens que ça va être galère. Ah oui les gars, en même temps il faut absolument que je vous parle donc de mes logiciels de montage. J'ai pris exprès ça, vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que vous êtes nombreux à me demander sur quel logiciel je monte toutes mes vidéos. Et bien j'en ai deux. Je monte sur Adobe Premiere et Filmora 9. Si vous débutez dans les vidéos sur YouTube etc, je vous conseille vivement Filmora 9 parce que c'est un logiciel de montage ultra simple, ultra facile à utiliser. En plus de ça vous avez tout, vous avez des musiques libre de droit, franchement vous avez trop de choses, vous pouvez tout faire. Vous pouvez également faire des fonds verts et c'est pour ça que j'ai pris ces petits mouchoirs. J'ai envie de vous faire une petite démonstration. On peut penser que c'est hyper dur à faire des fonds verts, tout ce qui est effets spéciaux, alors qu'en vrai pas du tout les gars. Une fois que vous avez votre papier vert, vous dessinez un cercle, ensuite vous prenez votre colle et plus qu'à coller le papier sur votre main et ajouter du faux sang ou du ketchup, lol. Ensuite vous prenez la partie que vous voulez, vous faites un clic droit, vous allez voir apparaître fond vert, vous cliquez dessus. Et il n'y a plus qu'à faire les petits réglages. Et c'est fini! Ce qui est topissime aussi, c'est que Wondershare, Filmora et moi-même, on organise un jeu concours où vous allez pouvoir regagner la licence gratuitement pendant un an. Je vous explique les règles pour y participer, c'est simple, vous inquiétez pas. Alors la première chose à faire forcément, c'est monter une vidéo avec la fonction fond vert. La vidéo doit durer minimum 30 secondes les gars. Ensuite, pour qu'on voit la vidéo, il faudra que vous la partagez sur YouTube publiquement avec une filigrane. Et vous devez mettre dans le titre hashtag fond vert de Filmora. Sachant qu'en plus de ça, c'est bientôt Halloween, vous gagnerez 3 licences gratuites de chez Filmora 9. C'est pas une licence, c'est 3. Ça vaut vraiment le coup. Donc je vous mets tout dans la description. Allez checker et amusez-vous. Bon bah sur ce, voilà. J'ai envie de mettre, vous savez, mon cercle lumineux, mais il n'y a pas de prise. Je sais pas où elles sont les prises. Mais attendez, comment je vais faire si j'ai plus de batterie? Je crois que j'ai repéré une prise. Elle est là, juste là. Comment je vais faire? C'est trop lourd ça. Oh! C'est une blague, j'ai oublié mon oreiller. J'ai pas de drap, j'ai pas de couverture et j'ai pas d'oreiller. J'ai passé la nuit la plus magnifique de ma vie. Je vais faire une story sur Instagram et je vais raconter mes misères. Je suis au bout de ma vie, j'ai faim. Il est quelle heure? 17h30. Oh bah tiens, je vais prendre mon goûter. Non, t'en auras pas parce que je suis une crevarde. Oh mon dieu, oh mon dieu, j'ai envie de pipi les gars. Top chrono. Bah c'est ça, Phoenix, sort. Alors attends, je vais d'abord aux toilettes, Phoenix. Enfin! Fini les gars!
c'est serré avec le truc. Oh. Par contre, crois pas que tu vas me laisser toute seule, hein. Allez, viens. T'as commencé avec moi, tu finis avec moi. Les gars, il y a bientôt plus de batterie. Il faut absolument que je mette l'autre à charger. Donc, il va falloir que je déplace ce qu'il y a là-bas pour aller chercher la prise. Super. Non, mais là, c'est quasiment impossible. En fait, le meuble, il est collé au miroir. Je suis déjà au bout de ma vie. Je sens que dans cette vidéo, il va se passer une catastrophe. Je vois la prise, les gars. Elle est là. Dites-moi que ça rentre, s'il vous plaît. Oui. Bon, les gars, il est 20h11 et je propose qu'on mange. Elle est où, ma fourchette? Franchement, j'en ai marre. Si j'ai pas pris de fourchette, j'arrête. Oh, elle est là. Dire que j'avais faim, c'est pas super bon. Bon, à ton tour de manger. 5 minutes later. Oh non! Que des problèmes. Cette vidéo est bourrée de soucis. T'as pété, Phoenix. T'as pété. Joker! Mon chien a vite chier. Bon, les gars, je pense que je vais me démaquiller et je vais me mettre en pyjama pour essayer de dormir. Coton et démaquillant. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo au montage. Vous savez ce que je suis en train de me dire là? C'est que j'ai un putain de vis-à-vis ici. Quand je vais me changer, je sais pas comment je vais faire pour me mettre en pyjama. Parce que regardez. Voilà. Quand je vais me mettre dans ce coin là. J'ai oublié ma brosse à dents. Oh non. Bonjour sur les dentistes qui regardent cette vidéo. Les gars, qui a reconnu mon pyjama? C'est mon pyjama Mickey. Maintenant, j'installe mon petit lit. Voilà, c'est mon oreiller. C'est super, j'espère que je vais pas avoir froid. Les gars, il est 23h30 et j'ai clairement pas envie de dormir. Donc, je pense que je vais mater une petite série. Il est minuit et demi passé, je vais essayer de dormir parce que je pense que la lumière du jour demain matin va me réveiller très très tôt. Donc j'ai plutôt intérêt de me forcer. Clairement les gars, j'arrive pas à dormir. 5 minutes later. J'arrive pas. A few moments later. J'en ai marre, j'ai mal à la tête. Je me suis endormie super tard. Regardez comment il fait jour. Franchement, je sais même pas il est quelle heure. 8h20 et il me reste... Oh non, jusqu'à 13h. J'ai commencé à quelle heure? Oh non, je m'en souviens plus. 13h20? 13h19? Il me reste jusqu'à 13h19 à tenir. Je vais faire quoi? Joker! On va aller faire pipi. Faut que je m'habille. Ok les gars, c'est bon, je suis prête. On dirait que j'ai même pas mis de pantalon. En plus j'ai faim les gars. Top chrono! Go 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 go! Là pour le coup on peut dire que je suis réveillée. Je me suis pris une averse les gars. C'était terrible. Phoenix, viens. Non mais c'est une blague, tu veux plus venir avec maman? Ne me laisse pas seule. Bon, ok. Je vais devoir finir la vidéo sans lui, les gars. J'ai envie de me brosser les dents. Pourquoi les heures, elles passent pas en fait? Je pue de cet oreiller. Vous savez, parmi ces longues minutes, j'étais en train de me dire que j'ai pas testé ce coin de mon dressing. Donc, let's go. Voir si c'est bien. J'ai connu mieux. Il est 10h38 les gars, je vais aller checker un peu mes réseaux. Je vais aller sur YouTube je pense, je vais mater des petites vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur ma vidéo. Franchement ça va grave m'encourager parce que là il faut du mental. Je vous promets qu'il faut un mental d'acier pour rester là et rien manger. Là je commence à avoir faim. Bon, bah voilà. Il reste plus que une heure. Une heure! Devinez, il est quelle heure? Non, il est pas encore l'heure que je sorte, mais il est 13h12! Non, 13h13! Attention, ça vient de changer! Plus que 6 putains de minutes! Phoenix! J'arrive! Je me demande ce qu'il fait. Ah, il est là. Ouvre la porte, Phoenix! Ouvre! Les gars, il est 15h.